Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le dernier DIY sur le thème glue gun de la semaine. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser des colliers ou des bracelets. Donc pour les réaliser, c'est très simple, on prend un morceau de ficelle ou de corde couleur au choix que l'on coupe à longueur souhaitée. Ce morceau de ficelle, on le scotche pour le tendre correctement sur un morceau de papier de cuisson et ensuite il faut tout simplement venir faire couler des gouttes de colle dessus et là on peut jouer avec les formes. Donc je vous laisse là avec les images pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Et donc voilà, on laisse le tout refroidir correctement pour que ça sèche et voici ce que l'on obtient. Ce que vous pouvez faire aussi avec ce genre de technique, c'est réaliser des colliers. Donc là, on peut faire des choses avec des gouttes de colle beaucoup plus grosses. Encore une fois, je vous laisse regarder les images. Et donc une fois le tout bien sec, voici ce que l'on obtient. Il ne reste plus qu'à passer à la déco en fonction de nos goûts et de nos envies. Je vous conseille d'utiliser du vernis à ongles si vous avez, ou bien une peinture classique ou en spray que vous allez venir vernir après si possible pour plus de solidité. Et donc voici ce que ça me donne une fois le tout décoré. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va avoir terminé pour cette semaine avec les DIY sur le thème du glue gun. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi je vous retrouve dès lundi avec un nouveau thème. Et en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!